Oui, ça fait près de combien d'années que je ne vais plus à l'église depuis 1994. Et il y a un jour, mon petit frère m'a amené ici. Quand je vois les gens, papa me parle, celui-là est guéri, celui-là est guéri. Non, je n'avais pas la foi, je ne comprenais rien. Je dis peut-être les gens viennent lui dire, puis ils disent ça. Et je portais une boule dans le sein gauche depuis 2003. Vraiment? Oui. Je portais une boule depuis 2003 dans le sein gauche. Et c'est ainsi que je venais ici. Je venais un an après, c'était en 2013 et 12 que je venais ici. En 2013, on était assis à l'ouverture là-bas, à l'entrée de la porte, avec ma petite soeur. Elle, vous la connaissez. Et un jour, papa est parti de prier, il dit qu'il va guérir deux femmes. Avant qu'on ne parte à la maison. Et j'étais là, il dit, bon, il y a une femme à l'entrée de la porte, il ne faut pas la se lever. Elle porte une boule dans le sein gauche. Et mon cœur a fait un miasme. Je me suis levée. Ma mère s'est dit non, à son toi. En même temps, Pipi a commencé à me serrer. Il dit, aujourd'hui, Dieu a touché cette femme. Dieu l'a guéri, la main de la guérie de sa boule de sein. Oh, mais j'ai des frères qui sont tous des médecins. Après Chibine. À chaque moment, ils viennent renouveler le sang d'évolution. Voici la mammographie que j'ai faite. La radio. On tient. Depuis 2007. Et je portais la boule. Donc, le jour, il parlait de ça. Puis j'ai envie de pisser, je suis sorti. En allant, Dieu vient à cacher cela et il n'a pas pu voir.
et moi je suis en train de un bâtiment et ma culture en fonction métallique dans faire jouer les gens. J'ai vu que le privé, des Tunisiens. Le même jour, ils n'ont plus comme leur chef de groupe. Le lendemain, plus comme leur chef d'équipe, comme leur chef d'équipe, un portable. Donc, on a fabriqué la charpente, une petite, donc on était avec la superficie. C'était le lundi. On ne peut pas prendre la fabrication. Il dit forcément, il faut les faire par la capacité. Il doit le porter par la fabrication. Il doit le porter au réveil. À 19h, voilà. Donc, il a payé un roi, il a payé un roi, il a acheté, il a acheté des grues, il a acheté la ferraille. Il était sur le camion. Et vous savez, à chaque année, il fait son train de vous, il fait un en chargeant, la grue a acheté la ferraille. Il était sur le fer. Et le temps qu'il va prendre, il va prendre les fers arrivent, il va acheter, il va faire mon chuté. Il a fait du camion jusqu'en bas. Je suis tombé. Et à ton moment, je cherche la paix, une minute. Tu dis qu'il y a la preuve de l'amour déjà. Vous êtes tous les gens qui sont venus me régaler. Est-ce que c'est vivant? Je suis levé, je suis tombé à envoyer des guiches. Et le Dieu dit, ah, on va couper tout, ton Dieu est fort. Je fais comment?
Et mon petit grand il fait un peu plus de l'eau. Yes! C'est un major, major Magnon! C'est venu, effectivement, 15 jours après, j'ai pris mes services, je vois, le nom est oublié. Mon nom est là. Alléluia! Six mois, l'événement était début d'année passée. Je suis parti, l'événement, j'ai fait six mois, le stage est fini, on est rentré. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Pourquoi je dis le problème, c'est que nous sommes sur le tableau du avancement, et c'est chaque un an. Donc, je vais passer le talent du chef. Et l'année là, je vois. J'étais arrêté avec des jeunes antiquités. J'étais arrivé là en décembre, parce que ça fait décembre, en janvier, pour passer. Et t'as dit, il dit, ah, j'ai un ami qui m'a dit, il dit, non, mais mon nom, c'est pas bien que non, on dirait que je ne vais pas passer, c'est pas plus sûr. Donc j'ai rappelé avec un tour, ah, la place de mon ami, il dit, c'est pas bon. Et puis, non, pas ami, papa, ah, voilà, t'as dit, c'est pas bon. Puis, il y a 2000 euros. C'est que je venais de là, mais c'est chaque janvier, mais pour toute l'année, tu vas faire quelque chose. J'ai dit non, pour toute l'année, je nous fais chaque un an. Donc je ne vois pas comment tu vas faire ça. J'ai dit papa, il dit cette année-là, ça va aller. Ils ont déjà fini, hein. Janvier est déjà passé, c'est bien. J'ai atteint janvier le prochain prochain. Et bizarrement, miraculeusement, quand c'est passé là, ils sont arrivés au service. Il y a mon premier responsable qui m'appelle, il dit bon, on veut te proposer quelque chose. J'ai dit quoi? Ouais. Il dit non. Pour ceux qui sont du corps, il dit non que tu seras agent de compagnie en juin. Amen. Agent de compagnie en juin, il dit, mais toi, on ne va pas le nommer. D'accord. Agent de compagnie en juin, là. Donc, d'accord, de toute façon, je vais prendre. Or, que le rôle de service que je joue, c'est que y a des unités qui sont rattachées à tout le commandement. Donc, du coup, il y a des officiers. Il y a des sous-officiers, il y a des autres qui sont à notre disposition. Que moi je cherche du logement. Je dis qu'on a pensé que c'est qu'on va dire là. Ça va aller. Je suis là. L'année n'est pas confiée. Le nom, je fais l'état de l'avancement en 2017. Et du coup, rien compris. Quand par contre, je suis à la maison. Super. Mon patron dit, mon patron qui est où, il dit qu'on vient, je vais te confier un boulot. J'ai dit, ok, je pars rapidement, il y a un bacalage, je m'en vais, j'arrive. Parce que vous le dites que non, c'est bien, c'est que j'allais d'abord dire que ce que je fais ici là, c'est le même truc que je fais dans le service. Ça veut dire que là-bas, le travail, là, j'ai pas peur de prendre des rapproches. Un patron vient pour me dire que non, pourquoi il va me tirer les oreilles. Pour ça, j'ai dit ça. Donc, je veux dire, bien. Maintenant, c'est la maison de Dieu là. Où Dieu même là, il parle. Où Dieu passe par quelqu'un, il parle. Avant de rentrer là, tout sera plus fait pour moi. Donc, je prends soin là. Amen. Bon, je vois, ma mère, j'arrive, il me dit que lui, on le fait. L'état des gens qui l'ont apporté à Paris de choses. J'ai fini, je t'ai dit, j'ai fini, j'avais tout. J'étais là dans mon bureau. J'ai dit non, va voir le chancelier, je sais plus ça. J'ai dit ok, rapidement c'est mon frère. J'arrive là-bas à son bureau, j'étais plus gérant. Je suis assis, j'étais en papier, il dit, mais juste, tu dois, c'est pas le au Maroc, une autre, ils ont des carrières, tu dois passer. Il me dit, non, j'ai dit, mais, vraiment, j'ai fait pour toi. Il dit, non, c'est non. Ah! 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 Ah!
de nulle part. T'es tombé en ligne pour la partition. Deux jours après, la carrière est venue. Donc, je vais avoir un contact avec le gouvernement de l'État. Puisque l'État est sans affaire, il est allé venir. Ça n'a rien de pas. Je priais. Il n'y avait pas d'espoir. Il a dit bon, peut-être que je ne savais pas. Un jour, juste au travail, il a pris, il a mis sur mon pied, il a commencé à le traverser. Arrivant au niveau de son ventre, je trouve une boule. Bon, j'ai commencé à me voir après parce que ma dame est venue tout ceci, donc tu souffres. J'ai dit à Dieu, vraiment que cette boule disparaisse. Un jour. Et la nuit, le même jeudi nuit, dans mon rêve, j'ai volé ma voix avec mon papa. Il était à me trouver les gens en boule de ici. Comment va-t-il en avoir ce problème-là? Moi, depuis la jour, il dit, mais voilà les docteurs spécialistes ici. L'enfant, c'est ce qu'il n'a pas. Il a donné l'or à l'un des docteurs, à l'autre grand. On n'est pas dit à ouvrir l'enfant. Et juste après là, l'enfant ne se plus, il a été. Alléluia! Il est venu à sa papa. Merci à son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle dit vraiment. Le chômage était à sa porte. Rien ne va. Et elle venait comme ça, elle venait comme ça. Et un jour, elle est tombée sur une action de l'Oise. Tout à fait. Le prophète a dit au Canon, comment on va utiliser. Et le reste, il a demandé qu'on boive. Donc, avant de boire, elle a dit ce qu'elle pouvait. Mais la parole a dit aussi. Alléluia. Amen. Quelques jours après, elle a eu un rapport. Alléluia. On a fait le Seigneur. On va faire le Oh,
La Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, a 56 ans, c'est ça? Voilà. Donc c'est en fait, c'est ma fête à moi. L'indépendance de notre pays, ça veut dire que si tu étais la charge de quelqu'un, à partir de ce jour, je te commande de ne plus être la charge d'une personne. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est un jour pour toi. Vous savez, chaque jour ne se ressemble pas. Lundi n'est pas égal à mardi. Mardi est différent de mercredi. Chaque jour a sa grâce, chaque jour a son onction, chaque jour a son œuvre, chaque jour n'a pas sa ressemblance. C'est pour cela que je veux commencer d'abord, même si je n'ai pas là, à dire merci à papa qui me donne l'occasion de vous entretenir ce matin, de vous parler de la part de Dieu. Je pense que c'est une tâche lourde pour moi parce que c'est un jour spécial, c'est un jour exceptionnel. Je dis merci aussi aux hommes de Dieu avec qui nous sommes tout le temps dans cette mission. Je veux rendre grâce aussi au Seigneur pour le peuple de Dieu que vous êtes, qui prenez la peine de nous écouter, qui prenez la peine de nous entendre, bien que nous soyons très jeunes. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je veux te demander une seule chose, prête-moi tes oreilles et je te prêterai mes paroles. Amen. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas encore donné bien la main de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons, le thème de ce programme, c'est ce qui tue les autres. Ne me dis pas. Alléluia. Voilà, si par malheur quelque chose a tué quelqu'un dans ta famille, si par malheur un homme dans ta famille est tombé, si par malheur les affaires de ton père ou de quelqu'un de ta famille parviennent à l'échec, cela ne te concerne pas, bien que tu sois de cette famille. Alléluia. Donc c'est qui tue l'autre ne te tue pas. Le thème peut s'expliquer par Paul, la Bible déclare que, non pas Paul, Pierre qui fut jeté en prison. La Bible dit qu'ils ont jeté Pierre en prison et on avait fait tuer Jacques, c'est Hérode qui l'a fait mourir. Et normalement, celui qui a fait mourir Jacques était sur le point de faire mourir Hérode. Et était sur le point, pardon, de faire mourir Pierre. Mais malheureusement pour lui, Pierre, il ne savait pas que Pierre et Jacques n'avaient pas la même destinée. Alléluia. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque vous voulez vous en prendre à quelqu'un, ou vous voulez attaquer quelqu'un, prenez la peine de lire sa notice. Si vous convenez avec moi, il y a des médicaments à la pharmacie, on ne les prend pas après 16 heures. Parce qu'après 16 heures, lorsque vous les prenez, vous pouvez être frappé des sommeils. Alléluia. Donc il y a des gens qu'on n'attaque pas, il y a des gens qu'on ne s'en prend pas à eux. Donc Hérode avait fait l'erreur de s'en prendre à Pierre, pensant que Pierre avait la même destinée que Jacques. Donc ce qui a tué Jacques, qui est Hérode, n'a pas pu tuer Pierre. Je l'annonce ce matin sur ta vie et sur ta destinée. Donne-moi un appel et bien pour que nous commençons la parole de Dieu. Alléluia. Voici une histoire qui me plaît bien, que j'ai ramassée dans la Bible. À chaque moment que je lis les paroles de ce passage, je demande au Seigneur de me donner une révélation précise qui est liée à ce texte, un texte que certainement vous avez parcouru dans votre lecture. Il s'agit de la veuve de Naïm. Donc, si je peux donner comme thème ce matin, c'est l'enterrement n'aura pas lieu. Dis à celui qui est à côté de toi, l'enterrement n'aura pas lieu. Il n'a pas encore entendu, dis-le lui, l'enterrement n'aura pas lieu. Vous savez, nous sommes en Afrique, il y a des gens qui vont à des cérémonies funèbres et la couleur de la mort, c'est le noir. Et quand vous voyez quelqu'un qui est habillé peut-être en tout noir,
qui se rend au cimetière, c'est qu'il va pour un enterrement. Mais ce jour-là, chose bizarre, les gens ont porté leur noir, les gens étaient cravatés, bien cravatés comme je le suis ce matin. Les gens avaient porté toutes sortes de vêtements, mais malheureusement pour eux, l'enterrement n'a pas eu lieu. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11 au verset 17. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11 au verset 17. Luc 7, pour la dernière fois, à partir du verset 11 au verset 17. Luc vient après Marc et vient avant Jean. Alléluia. Si tu as trouvé, tu peux faire la lecture. Du verset 11. Nous lisons. Nous t'écoutons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Souligne dans ta Bible, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Dis Naïm. Continue. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. La Bible dit que ses disciples et une grande foule faisaient la route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Souligne dans ta Bible, lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Voici on portait en terre un mort. Oh, la Bible dit que voici on portait en terre un mort. Fils unique de sa mère. Souligne, il était le fils unique de sa mère. Qui était veuve, souligne veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. La Bible dit qu'il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, Ne pleure pas, femme. Il s'approcha et toucha le cercueil. La Bible dit que Jésus va s'approcher, va toucher le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Il dit, Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. La Bible dit, le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Glorifiez Dieu, disant. Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Ses paroles sur Jésus se répandirent dans toute la Judée. La Bible dit que ces paroles de Jésus se répandirent dans toute la Judée. Et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Voici une histoire qui me plaît bien. La Bible nous parle d'une veuve, la veuve de Naïm. La Bible dit que le jour suivant, Jésus va se rendre dans une ville appelée Naïm. Bien aimé, lorsque la Bible commence par un texte comme ça, par le jour suivant, ça veut dire qu'il y a eu un jour précédent. On ne peut parler du jour suivant sans parler du jour précédent. Et le jour précédent, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui était centenier. La Bible dit qu'il avait, si vous voulez, de l'amour pour son serviteur. Et le serviteur de ce centenier, la Bible dit qu'il était malade. Et qu'est-ce qui va se passer? Le centenier prie Jésus, il envoie les gens prier Jésus pour que Jésus vienne prier pour son serviteur. Et ce jour-là, la Bible déclare que le centenier envoie des gens. Jésus vient et le centenier dit que Jésus n'a pas besoin de se déplacer, qu'il dise seulement un mot. Il croit que le miracle se fera. Bien aimé, ce jour-là, sans que Jésus ne se déplace, il y a eu une guérison de miracle à domicile. C'est pour cela que je suis venu ce matin annoncer à quelqu'un. Il y aura guérison de miracle à domicile chez toi. Tu es dans ce culte. Ce que tu attendais, lorsque tu te retourneras à la maison, je t'annonce ceci.
que celui qui est sur le point de recevoir cette parole la reçoive maintenant. Je te l'annonce, lorsque tu retourneras à la maison, il y aura une livraison de miracles à domicile. Il a guérison de miracles à domicile. Amen. Maintenant, le jour suivant, la Bible déclare que Jésus va rencontrer une veuve qui a perdu son enfant. Dans le jour précédent, il avait rencontré quelqu'un qui était malade, qui avait besoin de guérison. Mais dans le jour suivant, Jésus rencontre quelqu'un qui n'est pas malade, mais quelqu'un qui est mort. Depuis le début, je vous avais dit ceci. Lundi n'est pas égal à mardi et mardi n'est pas égal à mercredi. Chaque jour a son épreuve. Il arrive dans un moment de notre vie où les jours précédents, nous avons connu des difficultés. Mais le jour suivant, nous rencontrons encore des épreuves qui sont encore plus grandes que celles que nous avons vécues. Mais je suis venu dire à quelqu'un, cela est l'œuvre de Dieu. Parce que chaque jour a son miracle et chaque jour a son épreuve. Mais lorsque Jésus observe que le jour précédent, il était question de guérison, et le jour suivant, il est question de miracle, Jésus n'a point peur, il n'est point effrayé. Parce qu'il savait une chose, le Dieu qu'il priait avait non seulement la guérison, mais aussi avait la résurrection. Bien aimé, il a commencé avec la guérison. C'est pour cela, si tu fais un petit commerce, bien aimé, ne néglige pas tes faibles commencements, parce que c'est le petit commerce qui demain te grandira. Que celui qui me donne un amen et bien, c'est la parole s'attache maintenant à sa vie. Alléluia. Donc, la Bible déclare qu'il va mettre Adam dans le jardin de l'Éden, mais il se trouve que Adam était né grand, il avait toutes ses dents au complet. Mais la fin de l'histoire va nous prouver que celui qui a commencé grand a terminé petit. Dieu va changer sa manière d'agir. Il va commencer maintenant petit et finir grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un second Adam qui est Jésus. La Bible dit qu'il est né d'une vierge. Jésus a commencé tout petit. Il a été baptisé. Il a fait le ministère. Il a grandi. Et l'histoire nous fait comprendre que Jésus a fini glorieusement. C'est qui a toujours commencé petit, selon le Seigneur, finit toujours grandement. C'est pour cela ce matin, j'annonce à quelqu'un, même si tu as commencé un petit foyer avec quelqu'un, crois en ce foyer, quand tu as bientôt, ce foyer te grandira. Et celui qui me prend un amen et bien, il reçoit maintenant les consommants. À la montée, une veuve. Bien aimé, la Bible dit que cette veuve avait perdu son enfant. Chose bizarre, cette veuve perd son mari. Une veuve, c'est quelqu'un qui perd son mari. Elle perd son mari et ensuite la veuve encore perd son enfant. Ce qui veut dire que la veuve a vécu ou sinon qu'elle avait vécu une situation qui s'est répétée. Bien aimé, il y a des personnes sur la terre des hommes qui vivent ce qu'on appelle des répétitions sataniques. Papa a eu un boulot et malheureusement le boulot, à la fin, avant la fin de son histoire, le boulot est tombé. Toi aussi tu viens au monde, tu fais un boulot, tu es embauché, mais arrivé à cet moment on te laisse. Bien aimé, l'histoire de ton père, tu le vis également. Il y a eu des personnes qui dans leur famille, il y avait ce qu'on appelle l'attention. Le père a eu l'attention et ça a tué le fils, le père, et l'attention aussi descend sur le fils ou descend sur quelqu'un dans la famille. Bien aimé, cela aussi est dû au fait d'une contagion satanique. Lorsque le diable veut détruire la vie de quelqu'un, lorsque le diable veut mettre fin à la vie de quelqu'un, il envoie ce qu'on appelle la contagion satanique. Ce que ton père a vécu, s'il avait échoué, toi aussi tu viens et tu échoues. Cela est l'œuvre d'une contagion.
contagion qui est présente dans la famille. La mère a eu dans son, si vous voulez, dans sa jeunesse, des process qui ont été avortés. Et lorsqu'elle prend un enfant, ça tombe. Lorsqu'elle prend sa tombe, la fille vient au monde, elle aussi, à son tour, à des process. Mais lorsqu'elle prend, les process tombent à chaque moment. Bien aimé, cela est l'œuvre d'une contagion satanique dans la famille. C'est pour cela que vous avez remarqué aussi, la Bible déclare ceci, Abraham a menti. Mais lorsque vous savez, Abraham aussi, après le fils aussi a menti, vous allez comprendre que ce qui était sur le père a fini par influencer la vie du fils qui est Isaac. Oh, la Bible déclare ceci, là où dit, le prophète là où dit, que le malheur ne paraîtra pas deux fois. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un ce soir, j'ai le pouvoir, comme le prophète Nahum, de t'annoncer ceci. Tout malheur dans ta vie, dans ta famille qui se répétait, tout malheur dans ta famille qui se répétait, puisque Nahum a dit, le malheur n'apparaîtra pas deux fois. Je mets fin à tout malheur de ta famille qui se répète contre toi. Je mets fin à tout le chef de la famille qui se répète contre toi. Je mets fin à tout ce qui se répète contre toi dans ta famille. Et bien aimé, je suis heureux de te le dire, ça prendra fait à ton niveau. Le malheur va prendre fait à ton niveau. Tu me donnes la main et bien. Le Sénégal, qui est comme une contagion de ta famille, refait maintenant. Tu me donnes la main et bien. La pauvreté, qui est une contagion de ta famille, refait maintenant. Tu me donnes la main et bien. La difficulté, qui est comme une contagion dans ta famille, maintenant, prends fait. Alléluia. C'est descendu aussi sur l'enfant. Et chose bizarre, bien aimé, le père est mort. Le fils aussi est mort. Mais il y a trois raisons qui nous donnent de comprendre que le malheur ne doit plus se répéter. Lorsque le malheur est déclenché, à un certain niveau, à un certain moment, le malheur doit s'arrêter. Parce que ce qui commence reçoit toujours aussi la terminaison. C'est pour cela, j'annonce à quelqu'un la malédiction de ta famille qui ne fait que se répéter. Tu déposes tes dossiers dans les bureaux, tu déposes tes dossiers dans les sociétés. Et à chaque moment, on te donne des mauvaises nouvelles. Ça n'a pas marché. J'ai déposé ici, ça n'a pas marché. Je suis venu te l'annoncer ce matin. Tout ce qui est répétition dans ta famille, répétition d'échec dans ta vie, ça arrête maintenant. Tu me donnes la main de bien, cela arrive. Alléluia. C'est tombé aussi sur l'enfant. Mais ce qui est merveilleux dans cette affaire, il y a trois raisons. Trois, je dis de trois raisons qui donnent que l'enfant doit être ressuscité. La première raison, la Bible déclare qu'il était le fils unique de sa mère. Oh, chose bizarre, son père n'était pas le fils unique de sa mère. Et l'enfant partage quelque chose avec Jésus. Oh, la Bible déclare que Jésus était le fils unique de Dieu. De parce que l'enfant partage quelque chose avec Jésus. Jésus ne pouvait que se lever pour mettre fin à la mort qui frappait cette famille. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit que nous avons fait, été fait peu inférieur à lui. De parce que tu as été créé à son image, tu partages quelque chose avec Dieu. Vous avez des choses en commun avec Jésus. C'est pour cela que la mort s'arrêtera. Alléluia. La deuxième raison, il prouve que
le second doit automatiquement se mettre à l'indicatif. Oh bien aimé, lorsqu'un verbe se met à l'indicatif, il reçoit ce que le premier verbe n'a pas reçu. La Bible déclare qu'elle a perdu son mari. Mais à côté de Naomi, il y avait une deuxième veuve. Or, lorsque deux veuves se suivent, la seconde doit se mettre à l'infinitif. C'est pour cela, si Naomi ne s'est pas remariée, il y a la seconde veuve qui est Esther, qui s'est remariée. Oui, elle a perdu son mari. Elle s'est remariée. Pourquoi? Parce que la première veuve, qui était Naomi, ne s'est pas remariée. Donc la seconde veuve qui est Esther doit automatiquement se marier. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Tu n'es pas le seul à échouer dans ta famille. Après toi, il y a des gens qui ont échoué. Je suis venu te l'annoncer. Ceux qui ont échoué, c'était la première mort. Mais toi, tu es la seconde mort. Alléluia. C'est pour cela que Jésus veut te dire, ils t'ont devancé, ils ont pris une longueur d'avance sur toi. Cela ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'ils arriveront avant toi. C'est comme le faire. Ils peuvent commencer. Mais ce qui est merveilleux, c'est l'arrivée qui compte. Les mêmes paroles que Jésus a dit à cette femme.
maudit. Maison bizarre. Les paroles tombent, n'ont pas de fée, mais les paroles de Dieu ont toujours une fée. C'est pour cela que tu veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit ne pleure pas, à côté de cette fade, se trouve une solution. Parce que Jésus savait qu'à côté de ce ne pleure pas, se trouvait une solution. La solution de la résurrection. La Bible dit que ceux qui portaient le corps s'arrêta. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Jésus s'avança. Lorsqu'il touche, la Bible dit que le mort s'assoit. Avant de s'asseoir, la Bible dit, Jésus lui dit, jeune homme. Bien-aimé, Jésus n'a pas grandi la situation. Il a génomé la situation. Un champion face aux épreuves est plus grand que les épreuves. Un champion face aux épreuves, il est minimisé. C'est pour ça que vous allez remarquer, David a réussi à tuer Goliath. Les autres ont échoué parce qu'ils voyaient Goliath grand. Âgé de ce premier d'année, Goliath long, de 6 côtés. Mais lorsque David lui voit Goliath, il voit un oiseau. C'est pour cela que vous allez remarquer. Au lieu de prendre une épée, il réduit et puis il prend un respire. Donc les gens de la ville de Naïf pressaient cette femme
vie. Mais il y a un groupe qui était au cimetière. Et ils étaient fatigués. Mais depuis le corps ne vient pas. Ah, bien aimé, je les voyais, ils étaient cinq dans la famille. Ils étaient prêts en train de mouiller le ciment de la manière. Rien que pour pouvoir l'enterrer. Mais bien aimé, la Bible déclare dans le livre Actes 28, il y a un homme qui s'appelait Paul. Paul avait été mordu par un municipal. Et malheur pour les papas, ils ont dit ceci, attirant cet homme. Si la vipère a mordu, c'est qu'il aime me tuer réellement. La petite qu'ils ont entendu, une heure, Paul ne mourrait toujours pas. Dis avec moi, ils ont entendu 2 heures, Paul ne mourrait toujours pas. Ils ont entendu 3 heures, il ne mourrait toujours pas. 4 heures, Paul ne mourrait toujours pas. 5 heures, il ne mourrait toujours pas. La Bible dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé d'avis. À ce moment, cet homme est un Dieu. Qui est en train de mouiller le ciment, prêt à enterrer son mariage. Je suis en train de dire tout ceci. Ils mouilleront le ciment en fer. Bye.
ne vous plaignez pas, parce que derrière une œuvre, il y a toujours une œuvre. Derrière un village, il y a toujours un village. C'est pour ça que j'annonce à quelqu'un, la manière des gens de te regarder changera. La manière des gens de ta famille de te regarder changera. Seigneur, je me souviens, je suis en train d'imaginer le retour du fils. Bien-aimé, lorsque Jésus le croise, Jésus lui dit, je n'en mets pas. Le mort s'assit. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Tu seras assis dans tes affaires. Tu seras assis dans ton mariage. Même si tu as une jeune fille qui a tendance à inquiéter ta relation, je dis tu es assis. Attends, je dis tu es assis dans la tête. Tu es assis dans le cœur. Même si ton mari ne t'aime plus, je suis en train de te dire tu es assis dans le cœur de ton mari. Mais je suis en train de voir et voir. Quand le fils était là, la dernière fois qu'il avait vu, c'était un cadavre. Mais la seconde fois où ils l'ont vu, il était un mort vivant. La dernière fois que les frères de Joseph l'avaient vu, il était nu. Il avait jeté dans un puits. Ils avaient pris ses vêtements qu'ils avaient déchirés par chance. Quand ils l'ont revu, il avait un vêtement de prince. Parce que Pharaon lui a donné cela. Quand ils l'ont revu, la dernière fois qu'ils avaient revu Joseph, bien aimé, il n'était pas marié, il était célibataire comme eux. Mais quand ils l'ont revu, il était marié dans toute sa gloire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Devant mon prophète, qu'est-ce que tu veux me dire de la montagne? Je suis en train de te dire ceci. La dernière fois que les gens de ta famille l'ont vu, c'était galéré.
Est-ce que j'ai une parole de mal? Veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Celui qui vient au cul et puis s'ennuie, c'est que lui-même il n'est pas clair. Il a bien prêché ou pas? De jour en jour. Vous voyez, chaque fois qu'il vient prêcher, il y a une autre dimension de prédication dans laquelle il entre, ça me fait plaisir. Au début, si j'avais qu'un seul message, de semaine, je dis arrête-moi ça, il faut finir encore. Aujourd'hui, sincèrement, les enfants travaillent. Quand le culte est libéré comme ça, on n'a pas trop d'efforts à faire. Amen. Qui a envoyé sa pierre? Qui a envoyé son caillou? Je vais te demander ça publiquement. Amen. La pierre que tu as envoyée, Dieu va se saisir de cette pierre pour frapper ton ennemi. Dieu va se saisir de cette pierre pour frapper ton ennemi. Celui qui te poursuivait ne va plus jamais te poursuivre. Même dans ton rétroviseur, tu ne vas pas le voir. Qui a dit amen? Méditons. Maintenant, je lève le temps dès les 8 heures. Donnez-moi un coup de 40 minutes à 45 minutes. Ça va? C'est pas écrit où on s'ennuie. On ne s'ennuie pas ici. Le jour où tu t'ennuies, si c'est le Dieu n'est plus là. On ne s'ennuie pas. C'est pas écrit où on s'assoit et prend un sommeil. Non. Il a fini, il t'attend quelque chose. Quand même que tu attendais quelque chose, quand il prêchait, tu étais approché. C'est vrai ou c'est faux? Sincèrement, Dieu accordait le ministère Claude à très approcheurs. Amen. Nous sommes dans le dernier mois. Dernier mois? Mois du commencement. Nous sommes dans le mois du commencement. Quand Dieu a détruit la terre avec l'eau, Dieu a suscité Noé, sa femme et ses enfants. Ils étaient combien? 8. Donc ce mois-ci est le mois du commencement. Pour les autres, le mois du recommencement. Même quand on écrit 8, on fait quoi? 0. Et 0. C'est vrai ou c'est faux? Donc nous sommes dans le mois du commencement. Si tu avais échoué auparavant, ça c'est auparavant. Mais ce mois dans lequel nous sommes est le mois du recommencement. Quand Dieu a créé la terre, Dieu a recommencé en détruisant tout le monde, mais il a laissé 8 personnes. Amen. Et même symboliquement, quand on écrit
ces deux euros collés. Ne crains pas. Si les années passées t'avaient échoué, si les mois passés t'avaient échoué, ce mois-ci, tu n'échoueras pas. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Ce mois-ci, tu n'échoueras pas. Non, tu n'échoueras pas. Je vois les anges qui volent vers moi, ils m'envoient des messages. Les anges volent vers moi, ils m'envoient des messages. Pas parce que je n'ai jamais arrivé à Tokyo que tu diras pas, tu diras que Tokyo n'existe pas. Tu m'entends? Ce que je vois, un jour tu vas voir aussi. Gloire à Jésus. Il y a un corps habillé ici. Prenez-vous de vous prier pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quel âge aujourd'hui? 56 ans. Tendez la main en haut comme ça. On va prendre la bénédiction. Réclamons la grâce, le bonheur, la paix, l'argent, la santé, la stabilité, l'or sur ce pays. Prions ensemble, prenons en haut. Prenons en haut, on va faire descendre ça. L'église a la capacité. Nous réclamons la paix. Nous réclamons l'or. Nous réclamons l'argent. Nous réclamons la stabilité. Nous réclamons tout ce qui est glorieux. Nous agitons le ciel. Ces choses descendent sans problème. Tout ce qui est glorieux descend. Tout ce qui est promotion descend. Tu es en fonction, mais pas à Abidjan. Tu as payé un terrain. Tu veux construire. Il y a des problèmes sur le terrain actuellement. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu as donné de l'argent à quelqu'un pour payer le ciment. Il t'a même dupé sur l'argent. Il y a des problèmes sur le terrain. Tiens-toi debout, je vais parler à Dieu. Mais ce terrain t'appartient. Arrête-toi tout juste en face de moi. C'est bon? Ne crains pas. Ce terrain t'appartient. C'est un lien de famille. Dans ta famille, ceux qui ont construit, on a compte du droit. Le premier homme qui a construit dans ta famille, ils l'ont tué. Donc ce terrain, il y a deux problèmes dessus. Premier problème, dans ta famille. Deuxième problème, il y a des esprits qui passent là. Mais je vais les faire changer de roue ce matin. C'est la roue de l'esprit. Voilà pourquoi, où tu es, le terrain est situé, devant inachevé, derrière aussi inachevé. Il ne peut pas achever parce qu'il y a des esprits qui passent là. Mais tel que tu le vois, Dieu m'a donné le pouvoir sur les esprits. Je vais les faire changer de route. Et la preuve est qu'ils ont changé de route. Le voisin est au cinquième lot qu'il a construit. Il n'a pas fini, mais la maison va se casser seule. Parce qu'ils ont changé de route. Et tu sauras qu'il y a un prophète en cet endroit et que l'éternel va exister. Qui a dit amen? Tends la main vers moi. Je suis prophète. À ma qualité de prophète, il y a des esprits de pygmées qui passent sur ce terrain depuis tant d'années. Voilà pourquoi tous ceux qui ont eu ce terrain ont eu problème. Mais toi, tu avais payé ce terrain. Ce matin, tu n'es pas si près à ce culte. L'éternel a vu le problème. Je commande à ces pygmées, changez de route à partir de maintenant. Allez au cinquième lot. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, à partir de maintenant, tu pourras construire et ça marchera. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Mais il y a un esprit de combien dans la vie d'une jeune fille? Il y
mais cet esprit va partir. Sa famille danse comme il y a. Par moments, même quand il y a des tambours qui a ce son, elle tombe en transe. Elle est venue ici ce matin, mais l'esprit va partir. Cet esprit l'empêche d'entrer dans sa destinée. Ce rythme maintenant, commando, fais la plateforme. Elle est en train d'être délivrée. Retire-toi maintenant. Le feu, esprit impur, retire-toi. Commando, ne bouge pas. Elle est en train d'être délivrée actuellement. C'est une force qui vient de sa famille, paternelle. Il est en train de la lâcher. Elle se fait deux jours sans parler à quelqu'un. Elle prise des cris de colère. Mais c'est un esprit. Il est en train de la libérer maintenant. Dépêche-toi de partir. Le feu du Saint-Esprit, tandis qu'elle descend sur la chair, l'armée qui est autour de moi commence à la libérer maintenant. Retire-toi. Lâche ta prise. Lâche ta prise. Esprit impur. Toi qui raconte des mésaventures dans son corps, même quand il y a un décès, elle tombe en transe. Retire-toi maintenant. Dépêche-toi de partir. Je commande à tes yeux de la libérer. Tu ne peux pas la tenir longtemps. Elle est entrée dans ce périmètre. Dieu est ici. Retire-toi maintenant. Le feu. Tu viens de sa famille. Elle est baoulée. Voilà pourquoi. Jasoka, Jésus nous manou. Jasoka, Jésus nous manou. Elle est libre à partir d'aujourd'hui. C'est fait. Acclamons très fort notre Dieu. Un miracle est en train de s'opérer. Dieu est ici. Il y a une autre âme qui est en train d'être guérie à présent. C'est sa toute première fois de mettre les pieds ici. Il est en parler de ce que Jésus fait ici. Elle est aveuglée, elle n'a pas de sang. Ça se répète. Ses parents suivent son sang. Mais elle a fait être guérie. Comment on fait sa plateforme? Ils lui ont collé un esprit de vampire. Mais ce démon a fait des parties. C'est sa première fois d'arriver ici. Ils lui ont parlé de ce lieu. Elle a aimé. Elle est fait riche constamment. C'est un esprit de vampire qui est dans son corps. Mais la clé est partie maintenant. Retire-toi. Le feu. Lâche ta prise. Elle ne va pas mourir. Dépêchez-vous de partir maintenant. Car l'Éternel est descendu pour elle. Son taux de sang est bas. Mais tandis que je m'approche d'elle, soulevez-la. Tandis que Jésus te guérit, donne-moi le côté gauche. Au nom puissant de Jésus, je pose maintenant le sang ici. Lâche ta prise. Elle ne va pas mourir. Vous l'avez échoué. Au nom de Jésus. Ça fait poser-la. Posez-la. C'est sa toute première fois. Mais Jésus l'a guéri. C'est que tu as entendu dehors. Tu es venu chercher. Tu prends ça aujourd'hui même. Tu ne seras plus jamais anémie. Tu appelles ta tante qui s'appelle Martine. Elle va mourir vendredi sur le projet.
tu as reçu la visite de l'un de tes frères. Regarde-moi. La visite de l'un de tes frères. Il est mort dans la maison. C'est ça? Il n'y a pas longtemps. Tu n'as pas su ce qui s'est passé. Et qu'il est mort, tu as eu une douleur ici dans la poitrine. C'est ça? Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Ici. Il veut parler à l'enfant qui est dans son ventre. Lui dit c'est quel sexe. Lui dit quand l'enfant va naître, voilà ce qui va se passer. Elle est enceinte, elle est ici, elle a plus de 7 mois. La position de l'enfant n'est pas bonne. Je vais prier pour elle. Où elle est?
s'est arrêté avec toi. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne doit jamais te doter ni te marier. C'est ce qui a arrêté le processus. Ton mari est une sœur, elle agit comme garçon, elle ne t'a jamais aidé. Mais toi, tu vas dominer. L'enfant aussi dans ton sein, c'est une fille. Parmi vous, il y a deux filles, deux garçons dans votre sein. Deux filles, deux garçons actuellement dans votre sein. L'enfant, c'est une fille dans ton sein. Cet enfant te donnera à boire. Il ne faut pas avoir peur. Quand elle va naître, elle va être chaude. Elle aura le panier dans le corps. Quand elle va naître. Il va la déposer au soleil, il ne faut pas avoir peur. Elle ne va pas mourir. Elle va parler très 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 vite. Tout enfant, les dents commencent par le bas, mais cet enfant, les dents vont commencer par le haut. Pour te dire, l'enfant qui vient, c'est une parolier, elle va avoir la parole. Quand elle va chanter, les gens seront convaincus, elle sera comme un griot. Elle va faire loin des gens, ils vont lui donner beaucoup beaucoup d'argent. C'est sa voix qui va la bénir. Ainsi parle l'Éternel. Et tu sauras que l'homme de Dieu a prophétisé. C'est fait. Shalom. 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 Je vois un monsieur grand détail, il est clair. Il a une boulangerie, mais ça ne marche vraiment pas. Il est embêté. Où il est? Il est dans la forêt. Sors. Vous croyez au miracle? Couche-toi. Il y a un dedans qui va rester. Appelle-les tous. Appelle-les tous. Appelle-les tous. Appelle-les tous. Celui qui t'a invité en ce lieu t'a fait du bien. Appelle-les tous. Il y a un qui va rester. Il est jaloux de toi. On parlait pour avoir l'argent. Mais lui se fosterie, il est riche là-bas. Et en réalité, les pauvres. Tu vas le dominer toujours. Appelle-les tous. Il y a un qui va rester dedans. Appelle-les tous, il y a un qui va rester dedans. Appelle-les tous, il y a un qui va rester dedans. Maintenant, commence à t'élever. Commence à t'élever. Commence à t'élever. Commence à t'élever. À partir de lundi, tu as un employé, il te vole toujours. Il vole la farine. Il est grand, noir. Lundi même, tu vas ouvrir la porte un jean blanc, délavé. Quand tu vas le voir, à partir de lundi, jusqu'à lundi qui suit, il va voler, il va l'attraper. Il fait partie aussi de ceux qui te ruinent. Et il faut le renvoyer. Peut-être que tu le renvoies, ça commence à marcher. Mais tu es un frère. Il va rester où tu es resté là actuellement. Il ne va plus se lever. C'est lui qui fait que ça ne marche pas pour toi. Il t'a déposé dans une forêt. Mais à partir de ce culte, je commande que tu sors. On t'a dit, ne mets pas au côté où la femme dort, ne mets vers ton côté, mais tout juste en bas de ton lit, vers ta tête. Tu es là actuellement, tu mélanges les deux, tu ne peux pas avoir la victoire. Mais si tu es courageux, que tu te tiens de vous, ne mets plus l'effet. Parce que l'effet de ce fétiche, il y a un serpent dans ce fétiche. Et ce serpent est en train de t'appauvrir et t'affaiblir. Tu vas te tenir de vous. Je vais prier pour toi. Je vais détruire le fait que tu vas avoir le fétiche mercredi. Où es-tu? Regardez-moi ici, pas derrière.
Le fétiche est là. Ta femme te dit ça, faut laisser. Mais tu ne fais pas là, même par moment. Si tu as le privé de tu le fais. Et Dieu va entrer en scène maintenant avec toi. Où es-tu? Il y a des maisons. Mais c'est un peu compliqué. Si actuellement les locataires, lui ne sait pas pourquoi. Dieu qui se tient de vous. Cet danger, la personne est dedans. Mais jusqu'à derrière, la dernière rangée là-bas, cet danger. Il veut dire chaise, là, on ne monte pas. Jusqu'à dernière, la personne est là. Bébé se tient de vous. Mets-toi un peu là. Tes loyers sont à Covid. Il y a un monsieur qui avait pris la maison. Il payait difficilement. Tu l'as levé dans la maison. Depuis ce temps, ça ne marche plus. Je ne sais pas par quel miracle tu as vu aujourd'hui. Tu voulais même dire, je vais voir l'homme de Dieu qui prie que ça marche. Mais Dieu a vu. Couche-toi. Quand tu as un locataire comme ça, il est trop dangereux. Il joue au syndicat. Je commence à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Lève-toi un peu. Lève-toi. La maison soit à Darou. C'est à Darou. Je vais l'envoyer au château, ou bien au quartier là. Comme lui est syndicat, il va au château, ou bien au quartier là. C'est bon? Il n'est pas grand détail. Il est noir. C'est lui qui décrète tous les problèmes. Sa femme a accouché il n'y a pas longtemps. C'est lui qui décrète tous les problèmes. Maintenant, va au quartier là. Va comme ça. Va comme ça, c'est quartier là. Va comme ça. Alors, va comme ça. 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 C'est bon, il est arrivé. Il est arrivé. Où il va encore, il va créer syndicat. C'est là qu'il va avoir des problèmes. Mais pourquoi il va laisser? Voilà pourquoi, t'es à Taou, tu vas au quartier là, maintenant, à la parole de prophète. Faut parler à la pierre. Prospérer quotidiennement 5 millions, 5 millions. Mais il y a 5 francs.
ne seras pas quelqu'un si tu as sur toi maintenant. Je veux la plus petite pièce que maintenant tu vas prospérer. Mettre 5 millions, 5 millions, 5 millions, tu seras dans un temps standard de 5 ans. Je veux la plus petite pièce. Je veux 5 francs. Bon, la parole n'est pas pour vous, mais c'est pour lui. Comment reste entier. Comme pièce. On serait bonne pièce, serait bonne pièce. C'est pas le problème des besoins. La situation de lui, il y a besoin. Donc, va vers la porte de manière pour vérifier. Oh là là, ça n'arrive pas toujours. Ça n'arrive pas toujours. Bon, quand tu quitteras ici, tu m'entends? Fuis dans les bagages de ta femme. Viens faire devant les prophétiser. C'est bon, arrête-toi. Tu as le jumel? Ok, ça marche. Fuis dans les bagages. Les enfants sont un peu grands, mais fuis dans les bagages. À l'époque, quand vous ferez les cadeaux, il y a 3 pièces de 6 francs dans les bagages. Amène-moi ça ici, je reçois mercredi. Amène-moi, je vais prophétiser sur toi. Reste où tu es. Quand tu as démissionné, en tant que maman, on ne doit pas te donner l'argent. Mais ils sont en train de s'arranger pour te donner un peu d'argent. Mais le mois prochain, tu vas avoir un autre boulot. Il ne faut pas avoir peur. Reste où tu es. Viens un peu devant. Reste là, ne bouge pas. Quand ta femme était enceinte de ses jumelles, elle a perdu un pied de ses chaussures. C'est ça? Retourne encore en arrière. Quand un rêve ça arrive, elle est claire, elle a un trait ici. Avance. Reste où tu es. Quand tu vas envoyer 7 pièces, la plus petite pièce, fouille dans le bagage, les jumeaux là, ça y est dedans. Il y en a 3, mais je vais donner une seule pièce. Quand je te regarde, j'ai un ami qui va te confier une voiture à vendre. Tu vas vendre cette voiture et tu auras pour la première fois 5 millions. Tu n'as jamais touché 5 millions. Pour la première fois, tu vas toucher 5 millions et à partir de là, jusqu'à 5 ans, mais c'est ton temps de gloire. Il faut commencer à épargner, commence à construire maison, commence à bien t'arranger. Parce qu'après 5 ans, ça va s'arrêter. Ça va reprendre dans 7 ans. Et dans 7 ans, tu vas avoir une grande prospérité. Et même tu vas voyager, tu iras en Europe. Et maintenant, c'est bon, tu es libéré. Seigneur, merci. Tu fais un signe. Il est victorieux. Ça marche. Au nom de Jésus. Amen. T'es découragé. On doit payer ta femme. Ne crains pas. Tout va bien se passer. Tu as la richesse de l'argent. C'est Dieu sur toi. Et tu es venu donner à Dieu. Quand tu vas me quitter ici, tout sera mis en place déjà. Elle va pas mourir. Elle passera par l'opération. Mais elle va s'en sortir. Retourne-moi le pied. Il y a une cause. Pourquoi elle va être opérée?
Ton fils est là-bas. Elle a crié. Et elle a crié net. Elle a eu un nid. Ça l'a eu opéré. Qui a dit amen?
prier la première au nom de Jésus de Nazareth. J'attends aux âmes dans la salle. Enfin que tu prennes ta pierre, est-ce que toute l'assemblée a envoyé sa vie? Ne touche pas à ta vie. Enfin que tu prennes la pierre, je veux 5 personnes, mais sur une offrande, quel problème restera dans l'eau. Que les ténèbres vous aident tous. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux, mets-toi la devant. Genèse 31, à partir du verset 45. Genèse 31, verset 46. 45. Jacob dit à ses frères. Jacob dit à ses frères. Ramassez des pierres. Ramassez des pierres. Il prit des pierres. Il prit des pierres. Et firent un morceau. Fit un morceau. Et ils mangèrent là sur le morceau. Et ils mangèrent là sur le morceau. Laban l'appela Jégar. Ça a du temps. Oui. Et Jacob l'appela Galette. Laban dit. Que ce morceau serve aujourd'hui de témoignage. Que ce monument serve de témoignage. Entre moi et toi. Entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galette. On l'appelle aussi Mitzpah. Oui. Parce que Laban dit. Laban dit. Que l'Éternel veille sur toi et que sur moi. Que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Quand nous serons l'un et l'autre perdu de vue. Quand nous serons l'un et l'autre perdu de vue. Si tu maltraites mes filles. Si tu maltraites mes filles. Si tu prends encore d'autres femmes. Si tu prends encore d'autres femmes. Ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Merci. Amen. Vous comprenez? Il ne pourrait pas dire au revoir à son beau-père. Parce que Jacob rentrait seul. Mais Dieu a comblé Jacob. Dieu a donné 2 femmes à Jacob. Jacob avait 4 femmes. 2 femmes plus des servantes de ses femmes. Toujours avec ses femmes. Donc quand Jacob sortait son beau-père, il a sorti ses femmes, ses filles, il a sorti ses servantes, il a même sorti son troupeau. Donc là que son beau-père le poursuivait disant, je vais le tuer absolument. Dans la nuit, quand son beau-père dormait, Dieu s'est révélé à son beau-père en disant, où tu vas? Le monsieur que tu veux tuer, si tu vas, tu ne lui parles pas en bien, tu ne lui parles pas aussi en mal. Seulement tu dois le regarder comme ça. Le soleil l'a dévoré, la pluie l'a dévoré, mais c'est son salaire qu'il a pris. Donc il a poursuivi Jacob, il est arrivé au niveau de Jacob, il a dressé sa tente en face de la tente de Jacob. Les deux ont dormi ensemble. Martin il a dit à Jacob, mais pourquoi tu as fui? Fallait le dire, je vais te faire partir dans un tambour, mais il mentait. Il ne pourrait jamais laisser commenter Jacob partir dans les acclamations. Et voilà que, il dit, on va tisser une alliance. Jacob dit, prends des pierres, que mes frères prennent des pierres, que mes femmes également prennent des pierres, tes serviteurs se prennent des pierres, on fait un monument. Et je vais prendre le monument, on va manger dessus. À partir de là, il n'y aura plus de mort chez toi, il n'y aura plus de mort chez moi, et la main de l'Éternel sera sur vous. Dites Amen. Amen. La pierre que tu as envoyée, si quelqu'un te cherchait, il ne peut pas te trouver, parce qu'il y a quelque chose qui va se faire tout à l'heure. Je mettrai les pierres ensemble, et je vais poindre les pierres avec les proclamations. Et à partir de là, l'Éternel te donnera la victoire. Qui a dit Amen? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Alléluia. On s'assoit 2 petites minutes ce matin. Nous avons entendu un grand message et tu as donné des prophéties exactes sur la vie de plusieurs personnes. Nous te prions que cette action prophétique que nous avons faite, Seigneur, dimanche prochain, que nous soyons inscrits dans la liste de ceux qui vont témoigner au nom de Jésus. Merci parce que tu saisis cette pierre et tu frappes tous ceux qui en veulent à notre vie au nom de Jésus. Laisse ta grâce et ta faveur nous accompagner et que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.